Team TV, la chaîne au-delà de vos attentes. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi vous avez des embrouilles avec la justice. D'abord, bonjour à vous. Des embrouilles, c'est trop dit. Effectivement, la justice m'a contacté pour une histoire de publication sur Facebook. Voilà, c'était le vendredi dernier. J'étais avec la police. Voilà. Il m'a appelé pour quelques questions et c'était en rapport avec un poste que j'avais fait. Vraiment un poste pour plaisanter. Hein. C'est peut-être que certains ont dû voir le poste sur Facebook qui parlait de Christo de Mantes. Voilà. Donc c'était suite à ça la convocation. La police a voulu savoir pourquoi j'ai fait cette publication, à qui je m'adressais. Voilà. Ils m'ont juste posé quelques questions, pas plus. Et ils m'ont demandé de rentrer et qu'ils allaient me le faire signe. Au besoin. C'était des questions qu'ils m'ont posées. Pour le moment, je peux dire. Voilà. Ils se sont limités à me poser des questions. Pourquoi la publication, à qui la publication est adressée, voilà. Et puis bon, c'est tout. Il n'y a pas eu vraiment d'embrouille entre nous. Ils m'ont rien fait de mal. J'ai rien fait de mal là-bas aussi. Voilà, j'attends juste la suite. Compte tenu de ce que vous aviez posté sur Facebook, ce que j'avais posté sur Facebook disait: procureur là, je suis sûre qu'on n'a jamais utilisé Christo de Mantes sur lui. C'est pourquoi il fait des choses comme ça. Son nom c'est quoi, si je me rappelle bien. C'était ça le poste. Donc c'était suite à ça qu'on m'a convoqué. Et il disait que j'étais convoquée pour insulte faite par la personne de X, autrui si vous voulez. Voilà, il voulait savoir si je reconnaissais les faits qui m'étaient reprochés, à savoir des insultes à la personne de quelqu'un. Ils ne m'ont pas donné de nom, ils n'ont pas fait sortir de nom, tout comme dans ma publication, il n'y avait pas de nom. Voilà, je leur ai dit que je ne reconnaissais pas les faits parce que pour moi, à travers cette publication, je ne comptais pas insulter quelqu'un. Voilà, comme d'habitude, on me connaît sur les réseaux sociaux, j'aime amuser ma galerie. Et c'était un bon jour où tout le monde parlait du procureur. Je n'ai même pas vu le poste du procureur en réalité. Mais tout a commencé avec cette histoire de FTS qui fouettait les gens pendant le couvre-feu. Nous savons tous que les vidéos qui étaient postées sur Facebook amusaient les gens. On se servait de ces vidéos pour se distraire, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc chaque soir avec le confinement, on était à la maison et puis c'était ça qu'on regardait. Et je me suis connectée et puis je trouve que partout on parlait de procureur sur les réseaux sociaux. Le procureur a fait ci, le procureur... Je n'ai pas vu la note du procureur en réalité. Je ne connais même pas son nom. Je ne sais pas c'est quel procureur qui a fait quoi sur les réseaux sociaux. Mais on parlait un peu partout du procureur qui disait de ne plus fouetter, voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, comme... d'habitude, on trouvait que le procureur a gâté notre show, on va plus s'amuser avec les vidéos comme on s'amusait. Donc, comme tout le monde en parlait, j'ai juste fait mon papatoya comme d'habitude en voulant m'amuser dans mon affairage. Voilà, donc j'ai fait le poste. Et si je n'ai pas mentionné de nom, j'ai juste du procureur là, c'est justement parce que c'est dans l'esprit de jouer. Vexé, voilà, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai juste dit procureur. J'ai mis à la fin le nom, son nom c'est quoi? C'était pour ne pas toucher quelqu'un de fixe, c'était pour ne pas blesser quelqu'un de fixe. Voilà, donc c'était tout est parti de là. Pour ceux qui aiment faire le tapage sur Facebook, pour ceux même qui vous ont insulté quand on a posté une de vos photos sur notre page, ça c'est Facebook, hein. Ça n'engage que ces personnes. Normalement, c'est des gens que je ne calcule pas, ils ne sont pas sur mon chemin, je ne suis pas sur leur chemin. Et bien, je peux dire même que c'est eux qui sont sur mon chemin parce que c'est eux qui me remarquent, moi je ne les remarque pas. Leur vie ne m'intéresse pas du tout. Qu'ils fassent comme bon le sens, c'est leur téléphone, c'est leur méga, c'est leur temps. Ben, qu'ils fassent le show comme bon le sens, moi je suis dans mon coin tranquille et puis sereine, quoi. C'est tout. D'accord. Voilà. Merci. Merci.